Cassoulet, cassoulet. Humble plat paysan traditionnel d'Occitanie, confectionné d'un ragoût de haricots blancs, additionné de restes de viande et longuement mijoté dans une cassole pour être fondant en bouche. Dieu à trois têtes de la cuisine occitane. Trois vies, trois recettes, distinctes mais participant d'une même essence divine, reliées par ce trait de génie qu'est notre canal du Midi. Cassoulet, plat légendaire, magnifié par Prosper Montagnier. Celui de Castelmondary est le père. Celui de Carcassonne est le fils. Celui de Toulouse est le Saint-Esprit. La spécificité de notre cassoulet de Toulouse est qu'il est confectionné avec des haricots lingots du Lauragais, du confit de canard, bien sûr, de la véritable saucisse de Toulouse, de l'échine de porc et beaucoup de guano et de hanchis d'ail et de l'argras sans viande. Le sel et le poivre sont ses meilleurs amis, contrairement à la chapelure et à la tomate qui ne sont pas ses amis. Convaincu que s'il n'est pas le plus célèbre, notre cassoulet de Toulouse est certainement le meilleur. À vous de le sublimer. C'est ce pourquoi nous vous intronisons ce soir. Patron de Toulouse. Jurez-vous, tout en demeurant fidèle à la trilogie écrite par le maître Prosper Montagnier, de défendre le cassoulet de Toulouse et seulement le cassoulet de Toulouse, les ingrédients qui participent à sa composition et le patrimoine qui s'y rattache. Vous allez répéter après moi, haut et fort, que tout le monde vous entende. Oui, je le jure. Oui, je le jure. On n'a rien entendu. 1, 2, 3. Oui, je le jure. Nous aurons le vide aussi de savoir. Nous sommes heureux de vous nommer ambassadeur du cassoulet de Toulouse. Dame épistolière, veuillez faire signer le livre d'or aux intronisés du jour. Remettez également nos assiettes aux impétrants. Thank you.
quand tout sera fait, ils montreront la photo, enfin l'assiette et le diplôme. Je demande aux nouveaux ambassadeurs de s'aligner pour la photo. Merci. Casse pas la vaisselle. Porte-bannière. Ah oui, ça rigole pas. Attention, un petit sourire. Merci. Ah ouais, quand même. On peut y aller ? Si, viens, 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 viens. Et c'est ainsi que nous clôturons le 10e chapitre de la confrérie du cassoulet de Toulouse et nous vous remercions à tous. Ça fait un moment.